Chers amis astronomes, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'Astronome, je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors la vidéo que je vais faire maintenant et que vous allez voir aujourd'hui, quand je l'aurai postée, donc vous la verrez certainement un vendredi soir, parce que je poste les vidéos le vendredi soir maintenant. Cette vidéo, déjà, c'est pour m'excuser auprès d'un abonné. Alors, je ne sais pas s'il est toujours abonné à la chaîne. J'en sais rien. Je ne sais pas si certains le connaissent et qu'ils ont entendu parler de lui, qu'il se serait désabonné de la chaîne à cause de quelque chose. Mais en fait, quand j'ai fait la FAQ, la grosse FAQ, la dernière, là, pour les 1500, donc il y avait tout un tas de questions. Et je me suis aperçu que j'avais oublié de répondre à une question d'un abonné. Alors j'avais écrit à un autre abonné que je pensais que c'était lui, que je m'étais trompé de question, que j'avais oublié sa question à lui. Cet abonné, je me rappelle plus du nom de cet abonné, mais enfin c'est pas grave. Et en fait je me suis trompé. Je me suis rendu compte que en fait cet abonné c'est ma chaîne en clair. Donc je voudrais m'excuser auprès de ma chaîne en clair qui m'avait écrit une question, qui m'avait posé des questions justement pour la FAQ, des questions qui sont tout à fait légitimes. J'ai vraiment pas fait exprès de passer ta question, de la sauter, vraiment, mais vraiment, hein, vraiment, sérieusement, je n'ai vraiment pas fait exprès. Donc c'est Julien, ma chaîne en clair, donc qui me dit « Salut Fred, aurais-tu des conseils ?» sur le choix de matériel à choisir par rapport aux astres à regarder. Exemple avec un 200, tel focal, vous pouvez aller chercher des astres de ce type. Alors, déjà, aurais-tu des conseils sur le choix de matériel à choisir? J'ai fait plein de vidéos là-dessus. Donc, je te ramène aux vidéos que j'ai fait. Va voir, il y a plein de vidéos sur le matos. De toute façon, tu les repéreras, c'est celles qui ont fait le plus de vues. Par rapport aux astres, déjà ça dépend les astres, on va dire. C'est vrai que tu as du matériel, alors je ne vais pas vraiment répondre à la question, parce que c'est très difficile par rapport au matos, ce que tu peux voir ou pas voir. Par rapport à une longueur focale, par rapport à une ouverture, par rapport à si, c'est pratiquement, c'est pas que c'est impossible, c'est que c'est pas possible de répondre à ça. Tu peux pas te dire, je vais acheter un 200, 2000 de focale, je dis n'importe quoi, mais un exemple, et te dire je vais voir toutes les planètes du système solaire comme il faut, je vais voir toutes les étoiles, je vais voir toutes les galaxies, je vais voir toutes les nébuleuses, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que t'as beau avoir le bon diamètre, la bonne longueur focale, ce qui te donne une bonne ouverture pour voir par exemple le ciel profond, ou une bonne focale, une bonne longueur, une bonne ouverture, un bon diamètre, une bonne longueur focale qui va te donner une bonne ouverture pour voir du planétaire, il y a d'autres choses qui vont entrer en compte. Là où tu observes, si tu as de la pollution lumineuse ou pas, si tu es dans un endroit humide ou pas, si tu es dans un endroit où il y a du vent, souvent du vent ou pas souvent du vent, ça dépend de tellement de choses et de paramètres qu'il est impossible de dire tu vas voir ci et ça. D'ailleurs, si tu regardes les descriptions du matériel quand tu vas l'acheter, par exemple, alors je donne un exemple comme ça au hasard, Astroshop DE ou Interlarden, où il y a qui aussi qui donne pas mal qui donne pas mal d'explications sur le matos, la clé aux étoiles. Si tu vas voir, ils te diront jamais la liste de ce que tu vas pouvoir voir. Ils vont te dire ce télescope est capable de faire du planétaire, oui ou non? Du ciel profond, oui ou non? De l'astrophotographie, oui ou non? Point barre. Ils ne vont jamais rentrer dans les détails. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de paramètres énormes à prendre en compte pour une observation. Tu as beau avoir le plus beau matériel d'astronome amateur que tu puisses avoir accès, que tu n'es même pas sûr de pouvoir faire telle ou telle observation parce qu'il y a tellement de choses qui entrent en détail, c'est-à-dire les conditions atmosphériques, conditions météorologiques. Tout rentre en compte, tout. L'humidité, la pression barométrique, le vent,
les déplacements des courants d'air en haute altitude, en basse altitude, les courants ascendants, les courants descendants. Il y a une multitude de choses qui font que tu vas avoir un signe bon ou mauvais. Donc ça, tu peux pas dire. Si tu connais des astronomes amateurs ou professionnels qui te disent « t'achètes ça, tu vas pouvoir voir tout ça », eh bien, présente-moi-les parce que moi, je vais leur poser des questions. Je veux savoir comment ils font. Parce qu'ils ont peut-être un secret que moi, j'ai pas. Mais c'est pas possible de savoir à l'avance ce que tu vas pouvoir voir ou pas. Tu peux avoir un instrument à 100 balles, un instrument à 8000 balles. Tu sais pas ce que tu vas pouvoir voir. Il faut bien prendre en compte toutes les données, tous les paramètres qui, mais tu te rends pas compte. C'est affreux. Tu peux être même météorologue. Tiens, moi j'en connais un astronome qui est de métier. Il est météorologue là dans la Loire. Il fait de la météorologie pour l'aéroport d'André-du-Boutéon, qui est là, ce qu'on appelle l'aéroport de Saint-Étienne. Il fait de la météo pour là. Donc il connaît vachement en météo. Lui-même, quand on part avec lui sur des terrains, on lui dit « vas-y, dis-nous qu'il va y avoir un bon signe ». Il nous le dit « ouais, mais dans une heure, ça peut changer, dans 10 minutes, ça peut changer, dans 5 minutes, tu peux avoir un bon signe, dans une heure, tu auras un mauvais ». Non, c'est… Non. Ta question, elle est légitime, je réponds là que ce n'est pas possible. On peut pas légitimement répondre à une question pareille. On peut pas dire… Tu vas acheter tel télescope et tu vas voir ça. Il y a des télescopes qui sont faits pour faire du planétaire. D'autres, alors, télescopes ou lunettes, hein, qui sont faits pour faire du planétaire. D'autres qui sont faits pour faire du ciel profond, sans rentrer dans les détails. Tu en as certains qui sont spécialisés dans le ciel profond, qui vont être plus spécialisés pour les nébuleuses, d'autres plus pour les galaxies. Il y en a, ça existe. Hein. Tout dépend après le pognon que tu veux mettre dedans. Mais on va pas te donner une liste exhaustive de planètes ou de galaxies ou de nébuleuses que tu vas pouvoir voir avec ces instruments. Ça va être la façon dont tu vas observer toi et dans quel endroit tu vas observer. Et à l'endroit où tu vas observer, la météo qu'il va y avoir et les conditions atmosphériques que tu vas avoir. C'est tout ce que je peux te dire. Voilà, ma chaîne en clair, c'est tout ce que je peux te dire, c'est ça. Pourrais-tu nous faire une sorte de mini-listing? Non, là je reviens au truc. Avec du matériel amateur, bien sûr. Non, parce que moi j'ai un 203 mm 2030 de focale. Je vais voir plein de choses avec. Je peux pas te dire ce que je peux voir avec. Un jour je vais peut-être pouvoir voir la galaxie d'Andromède. Par exemple, ce soir, mettons, tiens, je vais prendre un exemple. Ce soir, il fait beau, je sens mon télescope. Je me dis, tiens, il y a la nouvelle lune, donc pas de lune. Je me dis, tiens, je vais faire du ciel profond. Tiens, il y a la galaxie d'Andromède qui est bien placée. Est-ce que je vais la voir ou pas? Non, pas possible. Je peux pas te dire d'avance si je vais la voir ou pas. C'est pas possible. Même les astrophotographes, avant de faire des photos, avant de faire de l'astrophoto, avant de faire l'image qu'ils veulent d'une galaxie, d'une nébuleuse ou peu importe de ce qu'ils veulent photographier, ils ne savent pas à l'avance ce qu'ils vont avoir, le résultat d'image ou pas. Même s'ils connaissent le signe, la météo, la pression atmosphérique, l'humidité, ils ne savent pas l'image qu'ils vont avoir. Donc ils ne savent pas si l'image va être réussie ou pas, si visuellement on va pouvoir voir ou pas la galaxie d'Andromède. C'est pas possible. Ça se trouve, ce soir, je ne la verrai pas. Demain, je me remets dehors parce qu'il fera beau demain, peut-être. Eh bien, pas possible que demain, je puisse voir la galaxie d'Andromède. Peut-être que je la verrai demain ou après-demain, je ne sais pas. On ne sait pas. Ce n'est pas possible de répondre à des questions comme ça. On n'est pas devin. Il faut faire confiance à la formule optique qu'on achète. Je prends du temps pour répondre à cette question. Pas pour m'excuser. Je me suis excusé au départ de ne pas avoir répondu à ta question. Mais là, je ne vais pas m'excuser de te dire que je ne peux pas répondre à ta question. Parce qu'il faut faire confiance à la formule optique qu'on prend. Newton, Cassegrain, Schmidt-Cassegrain, Matsukov-Cassegrain, Rayleigh, il y a plein de formules optiques. Il y en a... Il y en a trop. Et suivant la formule optique, suivant le azimutal, équatorial, suivant où tu vas être placé,
Non, c'est... Non. Non, non, non. Même le meilleur ciel du monde dans le désert de l'Atacama, je peux pas te donner une liste exhaustive que tu vas pouvoir avoir ça ou ça ou ça. C'est pas possible. Même dans le désert de l'Atacama, il peut arriver des fois qu'il y ait des nuages. Bon, c'est vrai que c'est tellement peu de nuits dans une année au désert de l'Atacama, mais voilà, il peut arriver parfois que ça arrive. Voilà. Donc non, je ne peux pas répondre à ça. Amuse-toi bien en famille. Merci, ciao, Julien. Julien, je sais qui tu es. Enfin, je sais qui tu es. Je vois souvent, je te vois souvent en commentaire sur mes vidéos. Donc je te remercie pour ça. Je te remercie pour ta question. Voilà, j'ai rattrapé la question en question. Mais voilà, ce n'est pas possible. De toute façon, pas possible. Il y a tellement de milliers de télescopes différents. Il y a tellement de références différentes de télescopes que je ne peux pas te donner une liste exhaustive. Parce que chaque télescope est différent. Et chaque position où tu vas observer, c'est différent. Je vais conclure par ça. Par exemple, t'as l'habitude de te mettre toujours au même endroit. Ça fait 10 ans, tu te mets au même endroit. Et puis un jour, pour X raison, tu peux plus te mettre à cet endroit-là, mais t'es obligé de te déplacer de 100 mètres de ton endroit. Et là, comme un con, tu vas te dire, ah mais ouais, mais depuis 10 ans, si je m'étais déplacé de 100 mètres, j'aurais eu une meilleure vue des objets que j'observais. Juste ça. Tu vois, juste même ça, tu vois, c'est à prendre en compte. Voilà. Donc, ta question, elle est très sympa, mais je peux pas y répondre. Enfin, je peux pas te donner une réponse exhaustive. Voilà. Je peux que te donner des conseils. Va t'acheter l'instrument par rapport à ton budget et à ton envie de ce que tu as envie de faire. Voilà. C'est le seul conseil intelligent que je pense que je peux te donner. Il y a chacun son instrument. Voilà. Alors, pour les montures, il y a le choix entre monture Dobson équatorial azimutal. Et pour les optiques, alors en Dobson, il n'y a que Newton. Et pour équatorial azimutal, bah là, vas-y, hein, t'as le choix. Hein. Casgrain, Schmidt Casgrain, Matsukov Casgrain, Reichlet, Newton, Newton Schmidt. Voilà, j'ai même vu, tiens, sur je sais plus quoi. Je vous en parlerai d'ailleurs de ça. Je crois qu'il y a une nouvelle formule optique qui sort. Je sais pas si c'est pas un Newton Casgrain qui sort. Enfin, je regarderai ça plus dans le journal Ciel et Espace. Je vous en parlerai mieux. Oui, il y a une nouvelle formule Newton Casgrain. Alors bon, faut voir ce que ça donne. À mon avis, vu la structure du télescope, ça doit pas être donné non plus. Voilà. Donc, je te remercie et je vous remercie tous de m'avoir écouté. Je vous dis, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, bon ciel, mettez l'œil à l'oculaire parce que oui, j'oublie toujours, mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir, je vous dis bon ciel, ciao, à plus pour de prochaines vidéos.